Bien le bonjour. Donc, cette vidéo-ci vous permettra donc de configurer vos cours dans Léa Classe à distance. Donc, de prendre le temps vraiment de préciser quel cours sera en présentiel, quel cours sera hybride, quel cours sera à distance. Et sachez que vous pouvez configurer chaque séance individuellement ou l'ensemble de la session complète ou l'ensemble de vos cours d'un coup. Alors, première des choses plutôt importante à comprendre. Vous pouvez en fait arriver à votre configuration, soit à partir de votre encadré juste ici, ou tout simplement à partir de Léa, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Toutefois, maintenant que l'étape précédente a été faite, c'est-à-dire le lien entre Zoom et Léa, donc maintenant que ce lien-là a été fait, vous pouvez ainsi accéder directement à la configuration de vos cours. Petit point très important à vous mentionner. Lorsque vous arrivez à partir de l'encadré Quad 9, vous arrivez en voyant l'ensemble de vos cours. Toutefois, lorsqu'on revient à Léa, si je viens à partir de mon cours 201NYK05 et je m'en viens dans Classe à distance, je vais voir mon cours, parfois qui sera précisément NYA, ben en fait, justement, donc on le voit bien. Phew. Donc, on voit bien l'exemple où je ne vois que ce cours-ci. Alors, très, très important, si vous demandez, mais diantre, où sont donc rendus mes autres cours? En fait, c'est simplement parce que, puisque je suis passé par Léa directement à partir de mon cours 201YK 05, alors il a filtré par défaut le tout et n'a coché, donc n'a filtré que ce cours-là. Alors, si je veux voir à nouveau tous mes cours, je viens recocher mes autres cours. Et c'est réglé, donc je vais voir l'ensemble de mes cours sans problème. Alors, très important, cette petite touche de filtrer, c'est très intéressant. Et également, par la suite, vous pouvez avoir un petit X rouge, une fois bien configuré. Vous aurez un petit X rouge juste ici et vous pourrez donc supprimer ces filtres sans problème, puisque voilà. Donc, alors, si je configure mon filtre, en fait, si je coche, si je sélectionne des filtres, voilà, le X apparaît. Sinon, je supprime mes filtres. Voilà qui est fait. Donc, une fois l'accès réalisé, vous avez donc accès donc à la configuration, comme je vous disais, à la session ou à la pièce. Donc, vous pouvez aller à la séance pour dire, bon, est-ce que c'est toute la session qui sera hybride? Si oui, parfait. Est-ce que vous désirez envoyer un mail aux étudiants à cette rencontre afin de les informer du nouveau mode de participation? Si vous cliquez oui, alors vous aurez déjà un mail qui apparaîtra par défaut, avec déjà un petit message de facto qui vous apparaîtra. Je vous le mentionne, j'ai souligné justement à notre collègue Suzy cette petite ambiguïté. Faites vraiment juste attention parce que c'est un petit peu pervers. Vous vous retrouvez, c'est pas de la faute au ST, là. C'est fait comme ça avec SkyTech. Donc Suzy doit voir avec SkyTech pour corriger le tir, mais vous vous retrouvez avec une formule d'au revoir et une formule avec votre signature juste avant la suite des consignes pour comment bien réussir sa visioconférence dans Zoom. Alors, juste vraiment faire attention, vous pourriez tout simplement couper votre formule de salutation et la recoller complètement en bas. Question que ce soit très très clair, sinon il y a ben des petites gibbettes au tremblé qui vont juste passer outre et qui vont s'arrêter à bonne journée et ils vont chercher le reste des détails. Donc, voilà. Ceci étant dit, donc si on clique sur envoyer, excusez-moi, ça va envoyer tout simplement le mio. Sinon, on annule sans problème. Et donc, on revient à tout ça. Alors, sinon, vous pourriez également juste cliquer sur non pour le mio et envoyer plutôt vos propres précisions au moment opportun. Comme je vous le mentionnais, vous pouvez donc aller changer pour chacune. Vous pouvez venir changer comme ça, de cette manière-là, sans problème. Et là, vous vous amusez comme ça. C'est un amusement comme un autre. Alors, donc, vous pouvez configurer par séance si vous le préférez, ou sinon, comme je vous le mentionnais, pour la session complète. Vous pourriez évidemment aussi envoyer le tout de manière plus massive. Voilà qui est ça pour celui-là. Alors, vous pouvez vraiment voir cours par cours de cette manière-là et vous pourriez envoyer un mio global à l'ensemble si vous le souhaitez.
Donc, ceci étant dit, vous avez donc la configuration complète de vos cours afin de vous assurer donc que les étudiants puissent voir si leur cours sera hybride en présentiel ou à distance, semaine par semaine. Sachez que par la suite, on peut obtenir l'horaire donc des cours et vous serez en mesure de voir justement cours par cours. S'il est en présentiel, il n'y aura absolument rien d'écrit dans la case du cours. Il n'y aura aucune notification autre que son cours. Toutefois, s'il est hybride ou à distance, il sera écrit soit hybride ou à distance dans la case de son cours. Donc, voilà. Et je précise un aspect très, très important, c'est vraiment, vraiment au prof à bâtir ses cours, donc à subdiviser ses groupes classes et à organiser le tout avec avec ses groupes classes afin que ce soit très clair avec les étudiantes et étudiants. Il n'y aura pas de précision automatique ou de subdivision automatique, du moins pas pour cette session-ci. Peut-être même pas pour cette année. Peut-être que SkyTech un jour va nous offrir cette petite gâterie, que ça puisse se faire automatiquement. Mais pour l'instant, du moins, il n'y a aucune création automatique, ni par l'organisation scolaire, ni par le STI, ni par nous, au SSER, de sous-groupe afin d'automatiser davantage, de clarifier davantage. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention en tant que prof de bien gérer le tout avec ses étudiantes et étudiants et de s'assurer que ce soit clair pour celle-ci, ceux-ci, afin qu'ils ne se mélangent pas, qui est en ligne, qui est en présence, est-ce qu'ils doivent tenter de se connecter à distance, alors que l'autre moitié est en présence, etc. Donc, c'est vraiment à chaque prof de gérer ses sous-groupes afin de bien coordonner le tout. Alors, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.